Donc aujourd'hui c'est le matin, il est 8h et on va où là? Tu vas où toi? À l'école. Voilà, et donc Ethan hier on lui a acheté des nouvelles chaussures. Ah mon chat, je lui ai pris des bottes aussi, je vous montrerai ça plus tard. La louloute qui va chez ma mamie et c'est parti. Bon, finalement il fait beau hein. Ouh, il fait trop froid par contre, mais il fait beau. J'ai rejoint ma soeur, faudra que vous alliez voir son vlog. On s'est tapé, enfin un fou rire, oui et non, en route, parce qu'on s'est tapé le pont de Normandie, je me suis trompée de route. Je sais pas comment, mais c'est un pont, enfin deux ponts on s'est tapé, on a vraiment bien rigolé, enfin rigolé. Après coup. Voilà, donc là on va à Primark, je vous l'ai même pas dit, je suis pas maquillée parce que pas le temps. Voilà. J'ai pris mon make-up, on verra si j'ai le temps. Donc voilà, on va faire du shopping et on vous emmène avec nous. J'ai trop hâte, oh là 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 là. On dirait un Yeti. C'est pas possible. Et c'est du M en plus hein. Je t'ai dit j'ai pris du M. Ah oui. Parce qu'il n'y avait pas de L. On dirait un Yeti. Bah après ça dépend, peut-être qu'avec des talons, tu vois, ça. Par contre c'est ouvert entre les jambes. Ah oui. C'est magnifique. Ah tu l'achètes. Si tu l'achètes pas, je te l'offre. C'est vraiment ouvert entre. Eh j'aime bien ça. Tu sais, bon, c'est un pyjama, mais je vais essayer après, je vais revenir, en fait, je vais chercher des chemises longues un peu. Ouais. Après. Je vous retrouve le lendemain. Je ne sais pas ce que je vous ai filmé pour la dernière fois hier. Bon, en fait, on a fait une petite journée shopping au Havre, au Primark du Havre, et puis on a fait les autres magasins qui avaient un petit peu à côté. On a mangé là-bas. On est rentré super tard parce qu'on s'est perdu. Ma soeur a vlogué dans la voiture quand on se perdait. C'était franchement... Franchement, ça vaut le coup d'aller voir. Donc, allez voir sur sa chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos. Et puis, éventuellement, si j'y arrive, je mettrai le lien de sa vidéo sur le coin de l'écran. Voilà. Donc, aujourd'hui, je porte les t-shirts que j'ai achetés hier. Je n'ai pas eu le temps de les laver, mais c'est juste pour la vidéo. Parce qu'en fait, est-ce qu'on voit ? Je m'apprête à vous tourner un haul. C'est pas le genre de truc que je fais souvent sur ma chaîne. Souvent, c'est des hauls pour les enfants, parce que je m'achète rarement des fringues. Hein, mais bon. Du coup, ouais, je vais vous faire ça, pourquoi pas, vous êtes quelques-unes à me l'avoir demandé. Donc on va faire ça, on va faire un haul, éventuellement, si j'ai le temps, si j'y arrive, je mettrai des petits morceaux de vidéo, c'est porté sur moi, ce sera dans une prochaine vidéo. Voilà, on verra, parce que je suis absolument pas youtubeuse beauté, je suis absolument pas gaulée pour faire ça, mais bon, pourquoi pas, après tout, hein, c'est pas réservé aux youtubeuses beauté qui sont bien gaulées. Bon, alors, cette semaine, j'ai pas vlogué, je pense que vous aurez remarqué, le seul vlog que vous avez eu, c'était mercredi, et c'était une vidéo qui datait du week-end, donc du coup, c'était pas de la semaine. J'ai pas vlogué parce que c'était la reprise pour Ethan, et comme c'était dans une nouvelle école, un nouveau rythme ici et tout, donc j'ai voulu juste prendre du temps pour lui, tout simplement. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas vlogué, mais là, je m'y remets, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer, donc j'ai reçu des photos de chez Lalalab, des photos... Ça c'est moi qui les ai commandées moi-même, hein. c'est pas un produit offert. Par contre celles-ci, les grandes, elles m'ont été offertes, elles sont trop canons. Je vais vous montrer ça comme ça, donc voilà, c'est des photos 20 par 20 qui m'ont été offertes par Lalalab hein, pour découvrir. Donc j'ai pris des photos de Théa comme ça pour enfiler un petit peu à tout le monde. Et puis celle-ci qui est donc ma petite mamie avec ma puce, trop trop belle cette photo. Donc voilà, ça c'est les photos grand format. Et puis après, bah, j'ai développé les mêmes. Hein. J'ai développé plein de petites photos en tout petit parce que je me suis fait un truc dans le couloir, je vais vous montrer. J'avais ça à mon appartement, enfin on avait ça à l'appartement à Saint-Etienne, cette déco-là. J'ai fait ça avec des cadres de chez Ikea. Et puis je les colle de travers, voilà. J'avais fait ça à Saint-Etienne avec un sticker. Éventuellement, si je retrouve, je vous mettrai une photo. Donc là, j'ai remis, il faut juste que je rachète des... Enfin, que je redéveloppe des photos, parce qu'à l'époque, Théa n'était pas là. C'était que des photos d'état de bébé. Bah, c'était notamment... on avait ça, on avait les photos des 1 an d'Ethan. J'avais fait un mur qu'avec des photos noires et blancs, et là, j'ai décidé d'en mettre en couleur aussi. Donc du coup, voilà, il faut juste que je ressorte des photos, c'est ce que j'ai fait. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait ma petite commande de photos. Et puis, ça fait toujours plaisir à la famille. Et j'ai reçu ça de la part de Sephora. On va le tester ensemble, j'ai pas encore testé, je l'ai eu hier soir du coup, mais c'est un baume à lèvres qui va changer selon le pH de vos lèvres, si je dis pas de bêtises. On va tester, on va regarder. Voilà, du coup c'est fait, donc c'est pas une différence de ouf, mais je l'ai vu quand je l'ai mis dans le miroir, on voyait la différence, c'était légèrement plus coloré. Ça sent super bon, on a l'impression de mettre un labello, en fait c'est un peu gras, enfin c'est un baume à lèvres en même temps, vous me direz. Et donc selon le pH de vos lèvres, personne n'obtiendra la même couleur. Voilà, bon bref, maintenant il est temps que j'aille tourner mon haul avant que les enfants se réveillent. Et puis après j'ai du bruit de montage tout simplement. Bon les amis, on est dimanche matin, je me rends compte en fait en montant mon vlog que j'ai carrément oublié.
de le terminer, mais j'ai aussi perdu des fichiers parce que comme j'avais pas de place dans ma carte mémoire, j'ai dû supprimer des fichiers, etc. Et j'ai dû me planter en fait, tout simplement. Bref, c'est pas grave, vous avez des petits morceaux du vlog et je vous promets que je reprends les vlogs comme il faut. Je vais faire ça bien. Le rythme de vidéo que je me suis donné pour l'instant, c'est à peu près soit mardi soir, soit mercredi, vous avez une vidéo. Et donc après, soit le vendredi soir ou le samedi. Et le dimanche, si j'en ai une en plus, vous en avez une. Voilà, tout simplement. À peu près. Après, si je n'ai pas de vidéo, bah il n'y en a pas, tout simplement. Ah, dis oui, mon bébé. Coucou, ma soupette. Oulala. Oulala. Vous voyez comment elle rigole et qu'il n'y a pas de son qui sort. Donc, je vais vous laisser sur ça. Le vlog a été extrêmement court, mais... je suis désolée, je vais pas vous faire des images juste pour faire des images. J'ai encore des montages à faire, il y a plusieurs vidéos, il y a des vidéos qui datent de tellement longtemps. Une vidéo qu'on avait fait avec Gauthier, j'avais encore mes extensions et tout, donc ça va vous faire bizarre quand elle va sortir. Et voilà, donc du coup je vais monter des vidéos. Il y aura de plus en plus de vidéos face cam, puisque comme je vous le disais, maintenant que Loulou va à l'école, j'ai un petit peu plus de temps. Je sais que je dois voir ma soeur... je vais faire des vidéos avec ma soeur aussi, on doit se voir là cette semaine pour faire des vidéos, enfin pas mal de choses qui arrivent. Voilà, et puis les vidéos de Noël qui vont arriver à grands pas et on a vraiment hâte. Voilà, donc on va vous faire des bisous. Il est où le loulou? Tu veux faire des bisous à tout le monde? Bisous! Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et vous aimez.